奉耶稣圣名说话。au nom du Seigneur Jésus, je parle. 我们感谢主耶稣，让我们有机会来学习这个圣经的道理。Rendons grâce à Dieu de nous permettre de venir pour étudier la parole de Dieu. 那这一集跟上一节一样，要来简单介绍一下这个要怎么样来查考这个先知书。Nous allons étudier le même thème que tout à l'heure, c'est comment étudier les livres prophétiques. 我们发觉到说这个圣经呢，讲论有关预言的事情讲得非常多。La Bible, dans la Bible, il y a beaucoup d'endroits où on nous parle des prophéties. 摩西五经呢有谈到预言，特别是有关耶稣基督的事情。Dans le Pentateuque de Moïse, on nous parle aussi des prophéties concernant le Seigneur Jésus. Dans les psaumes, on nous parle aussi des prophéties. Et beaucoup ont un rapport avec le Christ Jésus. Dans le psaume, on nous parle aussi beaucoup du royaume de Dieu. C'est que Dieu va établir son royaume. Et c'est un royaume éternel qui ne sera jamais détruit. C'est pourquoi dans le psaume, on nous parle aussi beaucoup de la véritable Jésus, Église à la fin des temps. Dans les livres prophétiques, on nous parle aussi de prophéties. Beaucoup de prophéties concernent aussi l'Église de la fin des temps. Bien sûr, ils insistent aussi sur Jésus qui est venu dans ce monde pour souffrir et qui a été crucifié. 我们从新约可以看到说使徒们或者这些新约的作者如何看待旧约的这些预言。Dans le Nouveau Testament, nous voyons les personnes du Nouveau Testament, leur regard sur l'Ancien Testament et les prophéties de l'Ancien Testament. 有时候他们会引用旧约的圣经。Parfois, ces personnes utilisent et mentionnent l'Ancien Testament. 他们在引用的时候呢，其实他们只是，比如说，谈到一个先知所讲的某一件事情。Quand ils mentionnent l'Ancien Testament, ils mentionnent souvent une parole qu'a prononcée un prophète de l'Ancien Testament. 但是在新约里头呢，他们却把它讲成是众先知所说的。Mais dans le Nouveau Testament, ils disent que ce sont les prophètes qui ont dit cela. 那这就证明说这个预言呢，这个旧约里头的预言呢，不论是哪一个先知在讲，其实都是众先知可认同的。C'est pourquoi cela prouve que ce que dit l'Ancien Testament, quel que soit le prophète qui a prononcé cette parole, ces paroles sont. Tous les prophètes sont d'accord avec cette parole. 那先知所讲的预言不会跟另外一个先知所讲的预言有什么矛盾？ Ce que dit un prophète n'est pas en contradiction avec un autre prophète. 那这就证明一点说他们所得到的启示或讲的预言都是从神来的。Cela prouve que leur révélation ou leur prophétie viennent de Dieu. 所以一个先知所讲的就代表了所有先知所讲的。Donc ce que dit un prophète représente tout ce que disent les autres prophètes.
好，那现在我们再来看呢，我们在查考这个指引的时候呢，我们要知道说，这个使在新约里头，使徒们所立下的方向，查考先知书的方向是什么？Quand nous étudions cela, il faut voir quelle est la direction que les apôtres nous ont laissée pour étudier ces livres prophétiques. Ah, 所以，当我们去查考的时候，我们就要问说：“哎，这个重点应该放在哪里Lorsque nous étudions, il faut voir sur quoi il faut porter de l'attention. ？”那有一点，我们发觉到说，新约圣经并没有引用很多旧约的预言。Un point important, c'est qu'on remarque que dans le Nouveau Testament, ils utilisent peu et mentionnent peu les prophéties de l'Ancien Testament.那我们可能会问，Alors, on peut se poser la question suivante. 那些没有被引用的那些预言，我们要怎么去解释它呢？Les prophéties qui n'ont pas été mentionnées après, comment les expliquer? 那当然，我们首先要从新的圣经去了解说，这个使徒们或者耶稣本身怎么看待这个预言。Il faut, dans ce cas-là, étudier dans le Nouveau Testament comment est-ce que le Seigneur Jésus et les apôtres considèrent ces prophéties.好，我们现在先来看这个《路加福音书Lisons Luc.》。啊，我们看《路加福音书》的第一章。Lisons Luc chapitre 1. 好，《路加福音书》的第一章，我们可以来看这个67节。Luc chapitre 1, verset 67. 那这里是撒加利亚的预言。Ici, c'est une prophétie de Zacharie. 我们先来念这个第69跟70节。Lisons d'abord les versets 69 et 70. 那当然，我们知道说这个撒加利亚其实他也是在讲预言，就是了。Ici, nous voyons que Zacharie parle aussi de prophétie. 但是它预言的那个内容呢，跟旧约圣经的预言是连接起来的。Mais nous voyons que sa prophétie est reliée aux prophéties de l'Ancien Testament. 因为他也谈到旧约的预言。Car lui aussi mentionne les prophéties de l'Ancien Testament. 我们来看69节。Lisons verset 69. 在他仆人大卫家中。为我们兴起了拯救的脚。Il nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. 那这里谈到大卫的家要兴起一个拯救的脚。Ici, on nous dit que dans la maison de David, il va y avoir une pleine délivrance. 那我们看70节。Lisons verset 70. 这个撒加利亚他被圣灵感动的时候，他怎么说呢？Et Zacharie, lorsqu'il a été touché par l'Esprit Saint, qu'a-t-il dit? 他说：“正如主借着从创世以来圣先知的口所说的话。Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. ”那这个圣先知不是单数，不是一个，是复数。Ici, les saints prophètes sont au pluriel, il n'est pas seul. 所以这个在大卫家要兴起的这个拯救的脚这件事情呢，其实就成为我们可以说旧约圣经预言中的一个重点。Et donc ici, la pleine délivrance dans la maison de David, c'est un point important de la prophétie dans l'Ancien Testament. 那如果我们念下去的时候，Si nous continuons à lire ce passage, 我们当然知道说这个脚。兴起来的主要目的就是要拯救神的百姓脱离这些仇敌。Ici, on voit que cette délivrance, c'est pour nous délivrer des mains des ennemis. 和那些一切恨我们之人的手。Et de tous ceux qui nous haïssent. 好，那
我们再看哦，七十三节。Lisons le verset 73. 那就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓。Selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. 啊，那这个其实哈、哦，在谈到这个神跟亚伯拉罕所立的约了。Ici, on nous parle de l'alliance entre Dieu et Abraham. 啊，那大卫家中，这个会兴起拯救的脚，跟这个神与亚伯拉罕所立的约有关系。Il y a donc un rapport entre la pleine délivrance dans la maison de David et l'alliance de Dieu avec Abraham. 所以这里就让我们知道说，哈，啊，这个什么，这个有关这个耶稣基督的事情呢，是从亚伯拉罕开始，一直到大卫。当然，大卫后来所谈论的这个他。Et donc, on peut voir que concernant le Seigneur Jésus, cela est mentionné donc depuis Abraham jusqu'à la maison de David. Et la maison de David, c'est l'Église. 好，我们先来看这个亚伯拉罕。我们从最早的先看起哈。Nous allons commencer par le tout début. 好，我们来看这个十二章。Donc c'est Abraham. Donc on va lire le chapitre 12. 啊，创世纪的十二章。Genèse chapitre 12. 啊，我们知道说这里啊是神啊跟亚伯兰啊，就是亚伯拉罕的对话。Ici c'est une conversation entre Dieu et Abraham. 啊，这也是神呢、啊、是跟这个亚伯拉罕所起的誓，或者说跟他所立的约。Et c'est aussi le serment qu'a fait Dieu à Abraham ou l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. 啊，在这里呢，一节到三节哈，首先他要亚伯拉罕离开，他的本地本族父家。Ici, tout d'abord, l'Éternel veut qu'Abraham quitte son pays, sa patrie et sa maison. 啊，然后要到一个神所指示的地方去。Et vers un pays que Dieu lui montrera. 啊，那这其实就代表着说，亚伯拉罕必须首先要完全的顺从神，信靠神。Donc ici, on voit que tout d'abord, Abraham devait se soumettre à Dieu et suivre, obéir à Dieu. 啊，然后神就跟他说，你会成为什么大国了。Et ensuite, Dieu lui dit qu'il sera une grande nation. 啊，神会赐福给他。Que Dieu le bénira. 好，我们请看第三节哈。Verset 3。为你祝福的，我必赐福以他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 啊，这个其实在那个英文版哦。地上的万族都要在你里头得福。En version anglaise, c'est toutes les familles de la terre sont bénies en toi. 啊，那我们知道这个跟这个洗礼哈，我们新约所谈到的洗礼是直接扯上关系的。Et nous savons que cela a un rapport direct avec le baptême dans le Nouveau Testament. 啊，因为我们要受洗才能够归入耶稣基督。Car il faut être baptisé pour être en Jésus-Christ. 那因为借着受洗呢，我们归入耶稣基督，所以就成为亚伯拉罕的后世。Et à travers le baptême, nous sommes en Jésus et nous sommes des descendants d'Abraham. 好，所以我们这样看的话呢，其实一开始哈、哦，就谈到这个救赎的事情，这个拯救的事情呢。C'est pourquoi, dès le début, on nous parle de la rédemption, du salut. 啊，所以这个路加福音书才说这是众先知所讲的。C'est pourquoi, dans Luc, on nous dit que ce sont les paroles des prophètes. 啊，根据这个创世纪的二十章七节，亚伯拉罕也是先知。Et dans Genèse chapitre 20, verset 7, on voit aussi que Abraham est aussi un prophète. 啊，所以我们发现到说神。开始跟亚伯兰所谈的，就是有关以后，这个耶稣基督要来的事。
Et ici, la conversation entre Abraham et Dieu concerne la venue future de Jésus-Christ.啊，那我们怎么靠着耶稣基督来得救？Comment par le Seigneur Jésus nous pouvons être sauvés? 好，那我们现在来看，这个是69节吗？Nous allons maintenant lire le verset 69. 啊，他说，在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的脚。Et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. 啊，我们知道说这个拯救啊，这个脚就是这个政权的意思。Une pleine délivrance, 成全是这个一种国家的政权，政权。c'est la délivrance d'un pays. 一种权柄了哈。Le pouvoir d'un pays. 好，我们现在来看这个诗篇132篇。Lisons psaume chapitre 123. 好，诗篇的132篇。Psaume chapitre 123. 132. 好，我们来看这个17节嘛。Verset 17. 好，17节说，我要叫大卫的脚在那里发声。我为我的受膏者预备明灯。Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai un successeur à mon Messie. 啊，那大卫的脚在哪里发生呢？ Ici, d'où vient, d'où se passe la puissance de David? 啊，我们知道说从啊这个十三节开始看的话，我们就知道这里是谈到神所拣选的锡安。Si nous lisons à partir du verset 13, nous voyons que cela se produit sur la montagne que Dieu a choisie, Sion. 啊，那这就是谈到这个神的教会。Et donc cela nous parle de l'Église. 好，所以呢，在教会里头啊，会有这个大卫的脚。Donc dans l'Église, il y a cette puissance de David. 而会是在这个地方发生。Et cela se produira à cet endroit même. 啊，所以我们这样看的话，我们就知道说，这个先知啊所看重的、所强调的其中一点，就是跟救赎有关系。Donc de là, nous voyons que les prophètes, ils insistent sur un point important qui a un rapport avec le salut. 啊，从我们可以说从这个什么，从这个亚伯拉罕开始，他是先知。Donc de Abraham qui est un prophète. 啊，神就一直跟他谈论到有关这个救赎的事情。Nous voyons que Dieu lui parle déjà du salut. 啊，而且还谈到他的后裔就是单数的，只有一个。Et ensuite, il lui parle de sa descendance qui est au singulier, c'est-à-dire qu'il a qu'une seule descendance. 啊，后裔呢，要怎么样？啊，是有这个权柄的。Et cette descendance, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir la puissance. 啊，是能够得着仇敌的门，城门的。Et elle peut vaincre les portes de l'ennemi. 啊，就是说啊，有这个能力的哈，能够得胜。C'est-à-dire qu'elle a cette puissance pour vaincre. 啊，那后来我们都知道说，这是指着耶稣基督来讲的。Et nous savons que par la suite, cela désigne le Seigneur Jésus-Christ. 在锡安里头，在教会，就是指着这个耶稣基督在灵里头来讲的。Et donc sur la montagne de Sion, on nous parle donc de Jésus en esprit. 今天我们说圣灵统治教会，掌管教会，其实就是耶稣基督当王。Aujourd'hui, on dit que c'est l'Esprit Saint qui domine l'Église, et donc c'est le Seigneur Jésus qui est roi. 啊，所以我们这样看，我们就知道说，这里哦，这个撒加利亚所谈到的预言，所讲的预言，其实就是跟救赎、跟耶稣基督、跟教会有关系。C'est pourquoi ici, Zacharie, sa prophétie a un rapport avec le salut, le Seigneur Jésus
et l'Église.啊，我们其实在诗篇的89篇也可以看到。Et nous pouvons voir cela aussi dans Psaume chapitre 89.啊，我们知道说这个国度不会败亡或者消逝的。Nous savons que ce royaume ne disparaîtra pas. 啊，因为这个角是永恒的，啊，是不会失败的。Car cette puissance ne peut jamais chuter. 啊，所以我们这样看的话，我们就知道说，哎，其实一元素里头所谈到的其中一个重点，就是有关这一方面的事。Et nous voyons que dans les livres de prophétiques, on nous parle d'un des points importants et cette chose-là. 好，我们再看一些新约的例子哦。我们现在来看这个彼得前书的第一章。Voyons un autre exemple dans 1 Pierre, chapitre 1. 我们请看彼得前书的第一章。1 Pierre, chapitre 1. Oh, 我们来看这个第九节。Chapitre 1, verset 9. 好，我们先看这个第九节，第一章的第九节。1 Pierre, chapitre 1, verset 9. 啊，并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。En remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. 啊，但这里彼得跟写信给当时的这些信徒，分散在小亚细亚的这些信徒，来谈这个，来鼓励他们呢，在逼迫当中要信心刚强。Ici, Pierre encourage les frères et sœurs d'Asie mineure qui sont dans les tribulations à fortifier leur foi. Ah, 那这里呢，特别谈到说他们灵魂的救恩。Ici, il traite le sujet du salut de vos âmes. 啊，这个救恩当然就是以后灵魂能够得救和进入神的国。Le salut signifie que notre esprit puisse être sauvé et qu'on puisse entrer dans le royaume de Dieu. 啊，我们知道说信主的人，当然就是灵魂得蒙神的救赎，脱离罪恶。Nous savons que les personnes qui croient au Seigneur Jésus, ils ont le, quand ils ont, reçoivent le salut, leur âme quitte le péché et entre dans le royaume de Dieu. 啊，我们发觉到说这样的恩典哦。是耶稣基督道成肉身之后，才发生的。他升天之后，他死了，死在十字架上，升天之后，那这个救恩就开始，我们说广传出去了。Et cette grâce du salut se produit une fois que le Seigneur Jésus s'est fait crucifier et qu'il s'est fait crucifier et qu'ensuite il a ressuscité. Et ça s'est propagé. 啊，但是我们发现到说，在第十节说呢，这个彼得就再进一步的解释，Et au verset 10, Pierre explique. 啊，这个救恩不是耶稣死后才有的事情，其实在什么这个众先知老早已经在详细地来寻求考察。Il explique que les prophètes, depuis longtemps, en fait, ont parlé et ont étudié ce salut.啊，这里是说众先知啊，Ici, on nous dit les prophètes. 那他们在查考这个救恩的事情，就是，人如何，比如说这救恩如何赐给人，或者人如何得到救恩。Donc, ils ont étudié et recherché et investi, ont fait des investigations là-dessus. C'est comment est-ce que l'homme peut être sauvé, la好。façon dont il peut être sauvé.我们看11节哈，Lisons le verset 11. 就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦，后来得荣耀，是指着什么时候
并怎样的时候。Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. 那你发现到说，这里好像谈到说这些众先知，他们的这个这个所这个焦点哦，他耶稣基督受苦啊，后来得荣耀的事情上。Ici, on voit que les prophètes, ils ont étudié un point, c'est qui, c'est en fait les souffrances du Christ et de la gloire qui a suivi. 啊，那为什么会有这样的一个倾向呢？Et pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène？ 啊，就是因为他们心里的这个灵啊，这个灵其实就是基督的灵，就是耶稣的灵，就是圣灵本身。Parce que l'Esprit qui était en eux, qui était l'Esprit du Christ, qui était l'Esprit Saint lui-même. Et cet Esprit était aussi dans l'Ancien Testament. Était dans leur cœur et les a inspirés. Et il leur a révélé ces choses. Pour qu'ils se concentrent dans ce sujet, et qu'ils étudient et qu'ils font des investigations sérieusement sur cela. 好，那我们看十二节哈。Lisons le verset 12. 啊，彼得前书的第一章啊，十二节。Premier Pierre chapitre 1 verset 12. 啊，这里讲得很清楚，他们得了启示，就是说神给他们这个不单只是怎么说是了解，而且是真正有关这一件事情将会怎么发生。Ici, donc, Dieu leur a révélé, ça veut dire que Dieu leur a non seulement dit les choses, mais leur a aussi expliqué comment cela allait se passer. 好，那这里呢，得了启示之后，但是呢，这里说不是为他们自己的。Ici, on nous dit, donc, une fois qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour vous, ce sont les croyants de l'époque, mais c'est aussi pour nous les croyants d'aujourd'hui. Et cela nous permet de savoir une chose. Que ce qu'ils étudiaient, 就是众先知所查考的, ce que les prophètes étudiaient, 有关预言的东西, concernant les prophéties, 特别是有关这个救恩的事情, en particulier concernant le salut, 真的不是为先知本身, 而是为了我们, que ce n'était pas révélé pour les prophètes eux-mêmes, mais vraiment c'était pour nous. 我们可以这样说。Nous pouvons dire cela. 那在他们那一个世代, à leur époque, 那这一件事情看起来, 怎么说, 跟他们并没有什么直接的关系。Que dans ce cas-là, cette histoire n'a pas de rapport direct avec eux. 但对我们来说却是有着这个, 这个不能分隔的这个关系了。Mais pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose d'indissociable. Donc, lorsque nous lisons les livres prophétiques, il faut porter notre attention sur le salut et sur l'Église.好，这其实就，怎么说，给我们讲明了一个查考先知书的方向。Et cela nous donne donc une direction, un guide pour étudier les livres prophétiques. 所以是我们说查考先知书是多层面的。Car nous disons que pour étudier les livres prophétiques, on peut les étudier à plusieurs niveaux.当然他有当时的背景，这是没有错的。Bien sûr, il y a le contexte de l'époque. 但是我们不可以忽略掉这个属灵的层面，就是指向
以后救恩的事情跟教会的事情。Mais il ne faut pas oublier la dimension et le niveau spirituel qui est le salut et l'Église. Nous ne devons pas seulement étudier le contexte historique. Cela ne suffit pas si on considère en étudiant seulement comme des livres historiques. Il faut savoir que les prophètes parlent du salut. 好,我们看哦, 这个12节, Lisons le verset 12. 一章的12节, Chapitre 1, verset 12. 这里有说,那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人, 现在将这些事报给你们。 Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils aient été ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile. 这些传福音的人呢，把这些事报给信徒知道。 Donc les gens qui ont prêché, ils ont prêché aux membres. 从这里也让我们知道说，其实这个福音就是有关救恩的事情。 Et donc, on sait ici que l'Évangile, cela concerne aussi le salut. 我们也知道说这个福音呢，其实就是我们所讲的教义了。 Et que cet Évangile, ce sont les doctrines dont nous parlons. 那旧约圣经呢，其中的一个功用就是要把这个教义阐明出来。 L'Ancien Testament veut aussi révéler ces doctrines. 所以你发觉到说，我们有我们的十大信条里头，有很多的这些信条呢，我们所引用的这些支持的经文呢，是来自于旧约圣经。 Et nous voyons que dans nos 10 articles de foi, il y fait beaucoup référence, de nombreuses références dans les versets de l'Ancien Testament. 好，所以这里就让我们知道说，这个先知啊，都一直在考察这个有关救恩的事。 Et de là, nous voyons que les prophètes, ils recherchent et ils font des investigations sur le salut. 所以我们在查考先知书的时候，也应该有这样的一个理解了哈。 C'est pourquoi, lorsque nous étudions les livres prophétiques, il faut avoir cette connaissance-là. 不要只在那个字句上来打转。 Il ne faut pas tourner juste autour des mots. 我们先知书是可以跳跃出当时的环境的，进入到这个属灵的层面当中。 Il y a un contexte de l'époque dans les livres prophétiques, mais on peut l'amener à une dimension spirituelle. 好，我们现在再来看另外一个例子哈。 Voyons un autre exemple. 我们看这个使徒行传的第三章。 Lisons Acte chapitre 3. 好，我们看使徒行传的第三章。 Acte chapitre 3. Ici, Pierre fait un discours. 他在这里啊，有谈到，当然是重点放在这个耶稣基督了的身上。 Et donc son discours porte sur le Seigneur Jésus. 好，我们如果看十八节哈。 Lisons le verset 18. 三章的十八节。 Chapitre 3, verset 18. 但神借众先知的口预言基督将要受苦，就这样应验的。 Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. 好，这里谈到说啊，众先知都在讲有关基督的事情，就是他受苦的事情。 Ici, on dit que tous les prophètes parlent du Christ, c'est-à-dire de ses souffrances. 好，我们再看21节。 Verset 21. 天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来借众先知的口所说的。
C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois.我们说万物复兴呢、啊。Ici, on dit le rétablissement de tout. 我们可以说跟神和好的时刻来到。C'est-à-dire le moment où nous allons nous réconcilier avec Dieu. 当然是借着耶稣基督。Et bien sûr, c'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ. 本来这个关系已经被破坏掉。Cette relation avait été brisée. 那如果要来修补这个关系。Et pour réparer cette relation, 一定要靠耶稣基督。Il faut s'appuyer sur Jésus-Christ. 但是在这一段经文里头，他有谈到悔改跟赦罪的事情。Mais dans ce passage, dans ce verset, on nous parle aussi de la repentance et du pardon des péchés. 我们可以从这个十九节看到。On peut voir à partir du verset 19. 因为这里说哈，这个悔改赦罪的事情哈，是要让人怎么样？当然是归向神。Ici, on nous dit que la repentance et le pardon des péchés, c'est pour que nous nous convertissons en Dieu. 那这样呢，安舒的日子就必从主面前来到。Et afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. 然后再接着说，主必差遣所预定给你们的基督降临。Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. 所以你发现说这个先知所谈到的，不单单是这个耶稣来到世上的这一个人物而已。Donc les prophètes ne parlent pas seulement de la venue du Seigneur Jésus en tant qu'homme sur terre. 其实也是有关救赎的事。Mais ils parlent aussi du salut. 就是罪要得赦免。C'est-à-dire du pardon des péchés. 我们发现到说这个彼得哦，他后来在哥尼流的家的时候，他也讲到这一点。Ensuite, nous voyons que Pierre, chez Corneille, il a parlé de cela aussi. 我们来看这个第十章《使徒行传》的第十章。Lisons Acte chapitre 10. 请看《使徒行传》的第十章。Acte chapitre 10. 我们来念这个四十三节。Verset 43. 众先知也为他做见证说，凡信他的人必因他的名得蒙赦罪。Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 那彼得在哥尼流的家为这些人受洗他就做了这样的一个结论。Donc chez Corneille, Pierre a baptisé des personnes et à la fin, il a fait cette conclusion.当然是靠着耶稣基督，神预定耶稣基督要来拯救人。Donc par le Seigneur Jésus, Dieu l'a envoyé le Seigneur Jésus pour sauver les hommes. 但是呢，这里告诉我们呢，的一个重点就借着耶稣基督，我们得救恩是借着什么？罪得赦免。Ici, on nous dit que pour recevoir le salut, c'est par le pardon des péchés.我想说这是神在感动他。Et là, c'est sûrement Dieu qui l'a touché. 让他有这种属灵智慧啊，知道说那些众先知到底在谈什么。Pour qu'il sache ce dont discutaient les prophètes. 让他得到一个结论，就是说要靠他的名得蒙赦罪。Et pour qu'il puisse conclure cela,par son nom, le pardon des péchés. 那你这样看的话，就跟我们教会所教导的这个洗礼连起来了。Et si nous lisons de cette façon, nous voyons que cela a un rapport avec l'enseignement de notre Église concernant le baptême. 所以我们说这个预言书，我们不要把它想得太怎么说太远了哈，跟我们好像信仰生活没有什么直接关系。Il ne faut donc pas considérer ces livres prophétiques comme quelque chose de très éloigné de nous et qui n'ont pas de rapport avec notre croyance.
啊，那我们在查考先知书的时候，他们的确也有谈到这个，这个赎罪的事情呢、啊。Quand nous lisons les livres des prophètes, nous voyons qu'ils nous parlent aussi de la rédemption.啊，只是说没有提特别，比如说特别提到说，你要洗礼的罪才能得赦，可能没有这样提到了。Bien sûr, ils n'ont peut-être pas dit directement, il faut que vous vous fassiez baptiser.啊，但是他也谈到这些除罪的事情呢。Mais ils ont aussi parlé du fait de laver ses péchés. 啊，其实这是跟我们这个信仰生活是有直接的关系。Et cela a un rapport direct avec notre croyance. 好，我们来看一个例子哈。Voyons un exemple. 我们来看这个，这个以赛亚书的44章。Lisons Ésaïe chapitre 44. 请看以赛亚书的44章。Lisons Ésaïe chapitre 44. 我们来念这个，我们来念，先来念这个。21节跟22节，Versets 21 et 22. 44章的21节跟22节，Chapitre 44, versets 21 et 22. 雅各，以色列啊，你是我的仆人，要纪念这些事。以色列啊，你是我的仆人，我造就你，必不忘记你。Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai pas. 这里说要雅各加记，不要忘记这些事。Ici, il dit, souviens-toi de cela, Jacob. 那我们看这个22节。Et voyons au verset 22. 这有关谈到有关涂抹罪的事情。Ici, on nous parle d'effacer les péchés. 那罪被涂抹呢，就因为这样呢，人就能够归向神，因神救赎了他。Une fois les péchés effacés, l'homme peut revenir à Dieu et peut être racheté par Dieu.所以除罪跟救赎是分不开。Donc, effacer les péchés et la rédemption et le rachat, on ne peut pas les séparer.那人真正能够归向神，罪一定要得到赦免。Donc, pour pouvoir complètement se convertir à Dieu, il faut le pardon des péchés. 当然，在新约，我们知道说，一定要借着洗礼，我们才能够真正罪得到赦免，归向神。Et dans le Nouveau Testament, nous savons que pour être réellement lavé de ses péchés, il faut passer par le baptême pour pouvoir être converti à Dieu.所以当时彼得在做这个判断的时候，Et donc, à l'époque, lorsque Pierre a jugé les choses, 他得到这样的一个结论。il a eu cette conclusion. 这些众先知都是为他说，就是为耶稣说Que做tous见证les prophètes rendent de lui, c'est-à-dire de Jésus, un témoignage. 凡信他的人呢，必因他的名得蒙赦免。这《使徒行传》哦，10章的43节。Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés, dans Actes chapitre 10, verset 43. 所以是你发现到说，先知书跟这个救恩是分不开的哈。Et on ne peut donc pas séparer les livres prophétiques du salut. 我们再来看一节，就是这个撒加利亚书。Nous allons voir un autre verset dans Zacharie. 我们来看撒加利亚书的第13章。Zacharie, chapitre 13. 撒加利亚书的13章，我们来看，这个第一节，Zacharie, chapitre 13, verset 1. 13章第一节，Chapitre 13, verset 1. 那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，
洗除罪恶一位。En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem à cause du péché et de la souillure. 啊，我们都知道说这个就是洗罪的泉源呐。Nous savons que la source, c'est la source qui lave les péchés. 啊，其实在这个什么撒加利亚书已经谈到了。Et dans Zacharie, on nous parle déjà de cela. 啊，当然哈，如果我们在看的话，在查考这个撒加利亚书，我们发现到说，甚至在耶路撒冷的人呢、啊，就是说今天在教会的人。也是需要这个全员的不断的来洁净他们。Donc de Zacharie, nous pouvons voir que les gens qui sont à Jérusalem, donc aujourd'hui les personnes qui sont à l'église, ont besoin de cette source pour les purifier sans cesse. 好，那我们再来看这个弥迦书。Lisons Miché. 啊，我们看这个第七章。Chapitre 7. 啊，第七章。Miché chapitre 7. On va lire ce 19. Verset 19. Chapitre 7, verset 19. Il ne va pas nous lier, 将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。Il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. 啊，这里我们也知道说这个是有关救赎的事情。Ici, on sait aussi que cela nous parle du salut. 啊，所以就是说，以后啊，啊，这个什么，这个弥迦先知啊，先知得了启示之后，他说，将来呢会有这样的一件事情，就是神要，将我们的罪呢。他在脚下投于深海。Le prophète Miché a eu ici une révélation. Il a dit que dans le futur, donc il mettra nos fautes sous nos pieds et Dieu jettera au fond de la mer tous nos péchés. 那简单来说，这就是除罪的意思了。Cela veut dire éliminer les péchés. 啊，就是说神要怎么样？啊，要来替我们解决这个罪的问题。Cela veut dire que Dieu va nous aider à résoudre le problème du péché. Et donc, du Nouveau Testament, des livres qui sont dans les évangiles, cela nous permet de voir sur quel point porte ce que traite. Les prophètes. 啊，所以我们意思哈，那个要了解先知书，就要一定要借着使徒们的这个教导，他们所提出来的方向来去了解先知书。Pour comprendre les livres des prophètes, il faut suivre la direction que nous a indiqué les apôtres. 啊，我们怎么说？我们不可以。比如说靠着自己来想去了解他的不可能的事情。Il ne faut pas utiliser sa propre pensée et ses propres connaissances pour essayer de comprendre ses livres. 我们现在就来休息哈，那我们下一节再来继续讲。Nous allons maintenant faire une pause et continuer la session suivante.